Coucou à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une journée un peu pluvieuse, mais c'était une journée très spéciale parce que c'est une journée au cours de laquelle je me suis sentie très joyeuse parce que tout simplement j'ai rempli la journée avec des choses que j'aime faire, tout simplement, et notamment des choses que j'ai toujours aimé faire et que je ne me laisse plus faire finalement parce que je me laisse plus le temps de me dire ok, t'as le droit aussi de faire ça. Et cette activité en question, c'est le dessin. Ça fait un bon moment que j'ai pas dessiné. Non pas parce que j'avais plus envie, mais parce que, tout simplement, quand on devient adulte, on a de plus en plus de contraintes, de plus en plus de choses à faire, d'obligations. On est redevable envers certaines personnes. Parfois, on doit être là, tout simplement, pour d'autres que soi. Et du coup, le dessin, c'est vraiment le truc qui a disparu de ma vie de la manière la plus spectaculaire possible. Et j'ai décidé ce jour-là que je vous ai filmé que j'allais reprendre le dessin, tout simplement. Et ce qui est génial, c'est que maintenant j'ai Procreate sur l'iPad et j'ai pu commencer à tester le dessin tout simplement avec une tablette. En fait, j'ai commencé ma journée pas en dessinant mais en allant au conservatoire parce que je sais que si je vais au conservatoire tôt le matin avant tout le monde, et que je fais ma séance de chant d'une heure, je sais que ma journée, peu importe ce qui va se passer après, je l'aurai réussi. Donc c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire. Il était, 8h30 du matin, là, au moment où j'ai tourné cette vidéo. Et je me suis installée dans un petit studio tranquille pour aller faire mes vocalises, pour travailler mes morceaux, etc. etc. C'est vraiment un moment religieux. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment le moment où je me réalise parce que je fais... ce qui me passionne le plus au monde, à savoir le chant. Ça fait quand même 11 ans maintenant que je fais cette activité-là, donc c'est vraiment ce qui me fait me sentir vivante. Et je sais que, encore une fois, quand je fais ça tôt le matin, c'est la première activité que je fais. Déjà, je marche jusqu'au conservatoire pendant 3 quarts d'heure, ça me permet vraiment, juste être moi-même, être seule avec moi-même, prendre soin de moi, etc. etc. Donc pour moi, c'est vraiment le moment le plus important de la journée au final. Comme vous pouvez le voir, ce jour-là, il a beaucoup plu. Le matin, quand je suis allée au conservatoire, ça allait. Puis après, il y a une vraie averse qui s'est installée. Et c'était très beau parce que j'adore au printemps quand il pleut comme ça, sur les fleurs et tout. Je trouve ça absolument magnifique. Puis surtout, j'adore aller au Starbucks quand il pleut, être bien au chaud, etc. En fait, ce que j'aime, c'est dire oh, aujourd'hui, j'ai fait une heure de chant, j'ai trop bien bossé, j'ai trop bien avancé, c'était trop cool et tout. Et là, qu'est-ce que j'ai devant moi? Un bon café avec un bon sandwich bien chaud. Ah, quel bonheur! Et en plus, comme il y a le wifi chez Starbucks, c'est vraiment génial. Je peux aller sur internet pour aller chercher des modèles. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler sur place sur mon iPad. Et puis, essayer un peu des trucs sur mon Procreate pendant que j'ai ces quelques minutes pour moi encore, encore une fois, où je suis redevable à personne, je suis avec moi-même en fait. Et ensuite, tout simplement, je rentre chez moi et c'est là que j'ai décidé de me faire une petite session de dessin inspirée finalement de ma journée à ce moment-là. Alors, faut savoir que comme c'était un des premiers jours où je me suis remis au dessin, je me suis beaucoup cherchée, j'ai vraiment fait des croquis qui n'ont jamais abouti à des dessins finaux, je sais pas comment on dit. J'ai vraiment tâtonné et essayé de juste me remettre en chemin et pas trop me mettre la pression parce que je sais que tu te mets trop la pression sur un truc, forcément tu vas être déçu à la fin.
Et puis ça va donner des résultats assez médiocres. Donc je me suis dit aujourd'hui, je fais juste des petits croquis en l'air comme ça. J'essaie de me familiariser avec mon iPad, etc. Et puis après, je vois ce que ça donne. Donc pour moi, c'est vraiment important de me sentir bien, même quand genre il pleut, il fait pas beau, etc. Enfin, moi, j'essaye vraiment de me dire la météo, c'est pas une excuse pour aller mal, en fait. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller mal, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que, voilà, il y a des moyens de se sentir bien quand il pleut. Et par exemple, là, j'étais en train de préparer des vignettes pour mon podcast. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour entendre la pluie dehors, c'était super agréable. Et je me suis dit, en fait, il pleut aujourd'hui, et c'est pas pour ça que je vais être triste, je vais au contraire profiter de cette météo pour écouter le son de la pluie sur la fenêtre, qui est super agréable et tout. Et me faire un bon thé avec une belle bougie. Voilà. Et puis voilà, je peux te dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de meilleures conditions pour être bien cosy pour dessiner. Et donc ce que j'ai décidé ce jour-là, c'est de dessiner des esquisses de fleurs, dessiner un chien, voilà. C'est des choses que je dessine sans trop de difficultés, donc je me suis dit c'est un bon moyen de commencer pour démarrer une nouvelle habitude de dessin, quoi, tout simplement. Ceci dit, je vous montrerai à la fin de la vidéo, au final, inspiré de cette journée, j'ai fait un dessin pareil aussi avec un chien, je vous montrerai. Mais que j'avais pas du tout pensé à ce moment-là quand j'ai commencé à dessiner. Donc là, j'ai commencé avec un braque. Alors il y a un braque dans ma résidence qui est trop trop beau. Je trouve que c'est des chiens, mais trop élégants. C'est le genre de chien que j'aimerais bien avoir parce que je les trouve magnifiques et trop mignons en même temps. Ils sont super élégants et ma grand-mère en avait un. Donc ça a été mon inspiration du jour pour les croquis. Puis je me suis mis aussi des vidéos de l'Opéra de Paris. Enfin, c'est la danse et c'est vraiment trop bien. Voilà. Et puis voilà, c'était vraiment une journée magnifique au final. Et je suis très heureuse de revoir les rushs en fait, que j'ai filmés de ce lundi-là. En fait. C'était un lundi. Et coucou les gars, maintenant c'est moi la caméra, ça y est, je vous parle en face comme j'ai l'habitude de le faire. Et maintenant pour la fin de ce vlog, je vais vous montrer le dessin que j'ai fait un peu final pour conclure en fait cette journée. Alors c'est un dessin que j'ai fait plus tard, évidemment je ne l'ai pas fait le jour même, mais il était inspiré de cette journée de pluie, de tâtonner, essayer de redessiner un peu des chiens, etc. Parce que j'aime bien les chiens, etc. Bref, j'ai dit beaucoup trop de fois, etc. Mais vous me connaissez. Regardez, je suis trop trop contente parce que c'est la première fois un peu que je dessine sur Procreate. Enfin, première fois, c'est pas mon tout premier dessin et tout, mais genre, voilà, c'est mon premier mois sur Procreate. J'avais jamais dessiné du numérique avant, et donc voilà, c'est mon premier dessin dessus, quoi. C'est la première fois. Alors, faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai toujours été extrêmement réticente au numérique, dessiner sur des écrans et tout, parce que j'étais la team, ouais, moins d'écran dans la vie, faut moins d'écran, etc., etc., etc. Mais au final, dessiner en numérique, ça offre tellement de nouvelles possibilités de pouvoir parfois se corriger quand on se trompe, etc. Et même rajouter des effets, enfin, des calques. Ouais, ça offre tellement de possibilités. Et en fait, me fermer au numérique comme ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite. Alors, je sais que, voilà, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire et tout, mais en tout cas, pour moi, ça a été une vraie révélation. Alors, c'est quoi ce dessin? J'ai juste dessiné une petite rue que j'ai trouvée un peu sur Pinterest. Enfin, je me suis inspirée d'une photo Pinterest, tout simplement. Et puis j'ai dessiné un chien, juste qui vit sa meilleure life sous la pluie. Voilà. Et en fait, le message de ce dessin, c'est vraiment ça. C'est, il pleut. Et pourquoi ça devrait être triste, en fait, la pluie? Voilà. Pourquoi est-ce que la pluie, c'est associé à une vie morose, il fait un temps de merde, etc., etc. Alors, certes, il y a des désagréments dans la pluie, c'est-à-dire que quand on sort, on est tout mouillé, on a froid, on n'est pas bien et tout, c'est dégueulasse, bref. Mais la pluie, ça peut aussi être absolument magnifique. Il y a beaucoup de gens qui aiment la pluie aussi, et c'est en hommage aussi à ça que j'ai fait ce dessin. Voilà. Donc, ça m'a pris des heures, hein. Là, je vous le montre, genre, comme si je l'avais fait en 2 secondes. Mais j'en suis très contente, et bientôt, j'ouvrirai une boutique
boutiques dans lesquelles vous pourrez vous procurer des petites cartes postales ou des petites reproductions papier de ce dessin-là. Voilà, pour les accrocher chez vous. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Si ça t'intéresse de discuter avec nous, t'as le club Facebook qui est le deuxième lien dans la description. Et si tu veux recevoir les petits mails que je vous envoie avec mes petites histoires, c'est le premier lien dans la description où vous avez aussi un atelier gratuit au passage. Voilà. Je vous retrouve très vite pour un prochain studio, une prochaine vidéo. Je vous prépare plein de choses. C'est des vidéos qui sont un peu plus travaillées, donc ils me prennent plus de temps. Vous aurez un peu moins de contenu qu'avant, mais vous en aurez. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans ta casa et à la prochaine.